Viewers et viewers, bonjour, c'est Alex Click, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des... Ben non, pas de Star Click épisode 50, toujours pas, complètement... comment on dit? Je ne sais pas, je n'ai plus de point de vue tout simplement parce que vous aurez l'épisode 50, il arrive, mais il y a pas mal de montage, il y a pas mal de travail sur les bonus, etc. Donc en attendant, vous avez eu, il y a quelques jours, un spécial Smite, ce jeu MOBA dont avec l'équipe on kiffe assez en ce moment. Et clairement, on voulait vous faire une partie un petit peu spécifique cette fois-ci. On voulait pas vous montrer de l'assaut ou de l'arène comme on a fait. On voulait faire une partie entre nous et justement nous sommes en 3v3. Nous sommes dans le même channel. D'un côté il y a, dans mon équipe, Monsieur Oro. Yep. Et puis, yep. Moi je suis les balles à ça en fait. Monsieur Xav. Salut, salut. Moi-même. Eh, salut les gars, ça va? De l'autre côté, ouh, Naif, je sais qui c'est Monsieur Neijdan. Oui. Il y a aussi Foxin. Ils ont ban Bastet. Ils ont ban Bastet juste pour te faire chier. Bon, et monsieur Muzarin. Allez. Bon, on sera sur ce 3v3 qui sera assez fun. Je rappelle que Smite est un MOBA en free-to-play, totalement gratos, débilos. Vu troisième personne, on va se foutre sur la gueule et justement, on voulait se faire une petite partie entre nous pour changer un petit peu et puis pour vous apporter une partie plein de rigolades puisque nous serons dans le même channel TS. Je banne qui? Banne qui tu veux? C'est pas un ban, tu choisis... Ah non, faut que tu choisisses pour toi, oui. Ça commence bien. Hey man, j'ai contaminé toute l'équipe, quoi. Xav, il nous prend Ymir. Okay, on a Zeus ban, okay. Pour Oro. Ymir, de notre côté, donc on a un tank et un mage. Dans l'idée, il faudrait que je prenne un assassin. Dans l'idée. Mais ils m'ont viré mon Thanatonos, là, mon Tototos. De l'autre côté, on a un ADC, qui est Naif. Que va prendre Fox? Que va prendre Musa? Attention, suspense. Ouh, deuxième ADC, un gros chassou. Ulélair. Ulélair. Il a un nom, lui, t'as l'impression que tu dis oulala. Ulélair. Pardon. Fox, oui. C'est à toi de faire ton choix. Mais j'ai choisi, j'ai pris Ulélair. Ah non, c'est toi, pardon. Ouais, je sais pas, je vous vois pas. Là, on voit pas l'épisode en fait. Sous un peu de temps, quoi. Non. Il te reste 3 secondes. 2 secondes. 2. 1 seconde. Non. Ça valide. Bim, gros fail. Allez, c'est à moi. Il y a un tank et deux ADC physiques. Chez nous, on a un magique et un magique mêlée, mais qui est tank qui contrôle. Est-ce que je prends un assassin ou un ADC? Je sais pas, j'hésite. Je pourrais prendre Thor. Ouais, je cherche pas ta Thor. Je vais prendre. Ou alors, je prends la solution full control et je prends Popo. Popo Zeidon. Je me tâte. Ou alors, le mec il sait pas, c'est bon Alex, tu vas choisir ou quoi? Merde. Ou alors je prends un chasseur X-Balank. Je vais prendre cette solution là. Je sais que Naif, une fois qu'il va partir, Neijdan, il va être chaud comme de la braise. Ils ont deux ADC, il faut qu'on les contrôle. Et là, on n'est pas full contrôle, mais pas loin. Putain, j'aurais dû ban Nerf. T'aurais dû ban Nerf. Mais dans ce cas là, ils auraient pris Thanatonoth. Non, ils auraient pris Bastet. Ils auraient pris Bastet. Ouais, je sais pas si Fox, je préfère le voir avec Ulélair ou Ulélair. Chaque fois, ça me fait rigoler, moi. Je trouve ça rigolo. Ulélair. Enfin, bref. Et bah, c'est parti, les gars. Bonne chance à vous. On reste dans le même canal. Justement, parce que c'est beaucoup plus rigolo d'être dans le même canal. Parce que quand on va se donner les stratégies, un peu les autres l'entendent. Et les gars, à gauche. En fait, les mecs, ils vont à droite. Tout est permis. Ouais, trois frères dieux grecs là. Ça va être le gros bordel. Ouais, nous on était chaud. Ymir, dieu de la glace quoi. Dieu de. On parlait surtout de Zeus, Poséidon et Hadès. Hein. Oui. Mais c'est pas grave. Hein. Ymir, je disais que c'est le dieu de la glace et le dieu de l'apéro surtout. C'est le mec. Dieu de l'apéro. Dès que t'as besoin dans le Ricard, dans le whisky, tu as. Ymir, essaye. Ymir. Ok. Eh, tu as un texto, je ne sais pas qui, mais tu as un texto. Hop. Et normalement, il me reste assez pour prendre. Et. Yop. Bon, les viewers. Une équipe de bras cassés contre une équipe de bras cassés, ça donne un match de bras cassés. Et c'est exactement ce que vous allez vivre actuellement. J'espère que le son n'est pas trop fort. J'ai même pas fait une vérification de son. Par sécurité, il y avait les dans mes paramètres. Et il y avait. Voilà. Baisser l'audio. Ça m'a l'air correct. Vous notez il m'a foutu une charge. Je peux pas les faire péter, je suis niveau 1. Niveau 1, donc ça, ça sert à rien quoi. Hop, c'est bon, j'ai plus les charges. Bonjour, yes, oui, le poisson. Ah ouais, c'est pas une arène, j'ai pas mes 3 sorts, merde. Non, t'as qu'un sort. J'ai pris le mauvais. Ah merde, aïe. Oi, barre-toi.
Rentre chez toi. Le mec qui commence par Squid Fight. Tu l'as aimé la flèche là. Oui, je l'ai pris exactement dans le popotin. Dans mon popotin de poisson. Tiens, Hades. Oh merde, je l'ai loupé. Je fais, bon bah moi je m'en vais, je rentre à ma maison. Putain, ça, ça sent le match épique de 3h, hein. La vidéo YouTube qui dure 8h30. Et tout va bien. Snowball. Alors pour information, on peut back, on peut revenir, on peut... Voilà, on a une seule lane, vous voyez la carte. Une jungle de chaque côté. Le but étant d'aller péter les deux tours ennemies, le phoenix ennemi, puis le minotaur ennemi. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. J'ai dit la joie et la bonne humeur. Arrête de me taper, j'ai dit quoi? La joie et la bonne humeur, mon gars. Allez, free fight, go, 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 go. Ils ont flippé en face, ils ont juste... Oh la vache, ça commence bien, ça commence bien. Moi, celui qui me fait le plus peur en face, clairement, c'est Nejdan. Nejdoudoun. Doudoun, il me fait peur. Maintenant qu'il le sait, il kiffe. Il kiffe me faire peur. Non, mais bah c'est Zeus, il est vraiment tendu. Hein. Ce perso est vraiment all-in, quoi. Allez, c'est aïe, fini aïe, pour aïe, Fox aïe. Non, peut-être pas. Tu rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Non, je rigole pas, mec. Aïe, aïe, aïe. Mais barre-toi, Nejdan. Nejdan, il prend le seul perso très facile à jouer qui est dans le tuto, quoi. Ça montre son skill. Non, il va être vénère, ça. Ah ouais, t'as dit ça, hein. Putain, level 2 là. Non, on rigole pas, hein. C'est pas juste. Tu démarres déjà level 3 si tu démarres. Hein. Ah bah voilà, putain, level 2, j'ai juste mis 8 ans. Hein. Ils sont deux, faites gaffe à vos fesses, lui. On vous dira pas où est. Où est Chapi Chapeau. Chapi Chapeau, il avait piscine. Il a back parce qu'il avait piscine. Vas-y. Les autres sont la boîte, qu'est-ce qui se passe? Alors, attention, t'es prêt, Euro? 3. All in. Ils flippent quand même un peu, ils savent pas trop si je raconte de la merde ou pas, tu sais. Ça arrive à droite. Ouh, je suis très mal, salut, bye bye. Au revoir Fox, à bientôt. À bientôt. Nous, on est des bluffeurs bluffés. Je ne sais pas si vous connaissez ça les viewers. C'est le mec qui raconte tellement de merde qu'on sait jamais quand il... Oh, allez. Les charges quoi. Mais les charges. Je sais même pas comment t'as réussi à me les mettre. Je sais pas, ça les a posés sur tout le monde, je sais pas pourquoi. Cadeau bonus quoi. Alors, est-ce que quand tu les poses sur un sbire, elles passent sur un dieu à proximité ou... J'en sais rien. Fais attention à toi, Oro, tu es tout seul. Je répète. J'arrive, je le chope par derrière. Putain, mais barrez-vous, bande de sbires! Oh là là! Barrez-vous, bande de sbires! Ils font leur boulot, mon gars! Nous, nos sbires. Ah ouais, non, sont... mais là, ils m'ont carrément empêché de passer, quoi. Nous, nos sbires, ils déconnent pas, quoi. Allez, on est reparti. On est reparti. Regardez, je vais vous montrer un petit truc, les viewers. Je vais passer là, vous voyez, cet endroit-là est un endroit. Le mec, il fait flipper. C'est bon, Alex, arrête, c'est chiant! Arrête, s'il te plaît! Alors pour l'instant, on fait pas le café là, y'a pas une équipe qui se démarque plus qu'autre chose. Bon là ça pique, mais c'est parce que c'est Poséidon quoi. Moi je vous attaque à queue de poisson quoi. Alors, Xav il y va quand j'ai plus de CD. Xav fou furieux des temps modernes. On se casse. Au revoir Fox, à bientôt, rentrez bien. Eh quoi? Hein? Bon. Arrête de feed s'il te plaît. Ouais il feed là, mais nous ça nous va, il a pas touché de chèque en plus pour feed. Hein. Zéro chèque quoi. Oh il a eu mal mon lapin Nejdan là. Il a eu même très très mal. Kraken! Oh Barrez-vous! Oui, non! Tout va bien. Nous maîtrisons la situation. Non, c'est pas vrai, je suis pas, hein. Tu peux manquer de nuit tranquille.
T'es mort trois fois. Je suis juste deck, j'ai mis mon Kraken un peu trop tôt, sinon je vous aurais tué tous les trois. Ça aurait été tellement magnifique. Au revoir. Ah non, je l'ai foiré celle-là. GG Hero. Et pour l'instant, les amis, ça fait 4 minutes que nous jouons. Nous nous démarquons légèrement, mais rien n'est fait. Autant vous dire que dans cette histoire-là, dans une partie comme celle-ci, surtout entre nous, entre équipes de boulets, rien n'est fait. Alors vous aurez moins de conneries que d'habitude dans StarClick. Tout simplement parce que ça demande un minimum de concentration, parce que pour une fois, j'essaye de faire quelque chose à mon niveau. C'est pas ça, c'est pas... Soyons francs, ce n'est pas ça. Mais j'essaye quand même de faire quelque chose. Je dépop les sbires avec tous mes pouvoirs. Ouais, il m'a tout claqué. Là, Oro, il vient de claquer l'ulti, quoi. Oro, il a claqué l'ulti, ouais. Parce que c'est un ouf, Oro. Pas compris. Au revoir. Mais ils ont fini, oui. Kraken. Comme dirait mon pote Jinta, Famas. Voilà. Seul lui pourra comprendre dans cette vidéo pourquoi je dis ça. Oh la vache, oh la vache. Oh mémé. Oh ma main ici, bobo. Comment j'ai pris cher, je suis pas beau. C'est cool. Pour l'instant, ça se passe bien de notre côté. Comment ça se passe dans votre équipe là en face? Vous le sentez bien ou ça va? Bah, y'en a un qui arrête pas de feed. C'est bizarre, moi les non, feeders, moi je les aime pas. Personnellement. Ouais, alors, moi je travaille pour Alex, moi. Le vendu, quoi. Oh putain, eh mec, j'ai le cul qui est tout propre, mais t'imagines même pas. Eh, je pourrais me voir. Franchement, je me mate dans une glace, je crois que ça fait reflet des deux côtés. Tellement c'est propre, quoi. Juste énorme. Et pourtant, alors, encore une fois, nous débutons à ce jeu, donc soyez indulgents. Oh, je peux pas bouger. Je peux pas bouger. Allez. Attention, mon Kraken est prêt dans 3 secondes. 3, 2. Non, je déconne. C'était pas vrai. Je vous le dirai pas quand il sera prêt, mon Kraken. Musa, tu retournes chez toi, je t'ai dit. Je t'envoie tous les flows possibles et imaginables. Tous les flows de... Pouvez-vous avancer, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît, venez à nous. Tiens, qu'est-ce que je t'ai dit? Kraken! Y'a rien. Tiens. Nous, c'est un travail de... Dan, hein, parce que si on le tue jamais... Il va se stuff et il va nous défoncer à la fin. L'idée, ouais, Adès, ouais. Il a un putain d'ulti où il peut ramener tout le monde sous la tourelle. Je dis ça, je dis rien. Mais il est très dur Adès, j'ai essayé de jouer, c'est hyper complexe. Sérieusement, c'est vraiment très complexe. Ça va arriver sur le côté. Oui, c'est ça. On est juste mort et on revient du spawn. Hein. Donc, le côté. Eh ben, on sait pas. Bah, tu peux prendre le côté. Hein, nous, toi. On est très sécuritaire parce que pour l'instant, ça se passe bien. Je suis assez content que les potes m'aient pas juste focus. Oh merde! Pardon! Je vous ai tué! Excusez-moi, monsieur! Je suis confus! Je pensais pas vous tuer avec ce genre d'attaque. Bah, surtout, il y avait la charge de Zeus, quoi. Fox, tu regarderas ton PayPal, hein. Parce que vu ce que tu me donnes comme points. Parce que je vais faire un gros chiffre. Je vais faire un gros montant, c'est-à-dire 3 euros. Pas loin, 3 à 4 euros. C'est 10 euros par kill que je te donne. Pardon. Mais toi à jouer, quoi. Je sais pas, fais quelque chose, mais j'ai pas cet argent. Pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas cet argent. Pas de Ferrari ce mois-ci. Hop, hop, hop. Ah, je peux pas partir. Oh, je suis mal. Bien joué. Ouais, ça, c'était là. GG. Alors, c'est Nejdan qui a fait le café sur ce coup-là. Il a bien joué. Oh, je me mets de mauvais côté du mur. Dans l'ordre, il a pas focus le tank, il avait aucun intérêt. Nejdan est parti sur le focus du petit tonton Alex, et puis après il se dit tiens, le tank j'y suis. Si je me faisais le petit job. Non, mais les charges de Zeus, quoi, c'est juste abusé. Bon, pour l'instant, je regarde un petit peu les scores, le temps que je réapparaisse. Attendez, j'ai réapparu.
Ah, tu m'as laissé genre à 10 PV quoi. Ah ouais, il me manque une petite charge, mais il va falloir que j'aille régène, je pense. Alors, les scores pour moi-même du 4-1-3, 4 meurtres, 3 morts et 3 assists. Zeus, c'est chaud, 6-2-2. Xav, il est tank, donc il s'en fout un peu, mais il fait du 0-1-6. De l'autre côté, on a Naive qui fait du 4-2-0. Fox, 0-7-2. Oh putain, le feeder. Et Musa, 0-1-3. Tu dois déjà 70 euros quoi. Mais non, je veux rien du tout. Je veux rien du tout. Et nous jouons en plus sûrement très mal les persos. Ah bah oui, non, mais ça. Ça, c'est pas nouveau. Kraken! Oh non, Musa, reviens ici! Tiens, je t'avais dit de revenir! Dis donc, oh le vilain! Ah, c'est un petit peu loin là, sinon je vous en prie. Oh, j'ai loupé Nejdan. On cherche tous à avoir Nejdan, c'est un peu notre. Tu vois, dans la vie, on voudrait tous. Mais barre-toi, la tourelle! Elle est morte. Il y a Fox, il est arrivé, il est reparti, il s'est fait ouvrir direct. Fox, il a voulu surrendre. C'est vrai, il a voulu surrendre. Eh, hey, mais il y a pas de surrendre, barre-toi hein. Cette vidéo est diffusée sur YouTube. Tu perdras, ce sera un des matchs les plus courts de l'histoire de ce jeu. Non, on a fait plus court en arène tout à l'heure. C'est vrai. Oh putain, là j'aime pas du tout cette attaque. Je n'aime pas du tout cette attaque. J'ai donc décidé de te montrer qui c'est le patron. Tu vas où, Fox? Foute la... Back, ils sont derrière nous. le mec il a pas peur, il lui reste 10 PV, tu sais. Ouais, je m'en fous, moi j'y vais. Est-ce que je suis un show? Est-ce que je la tente? Alors la tente, on le tue! Oui! Il m'a laissé à 60 PV. Ah mais c'est vrai que ça suivait moi. Ah je suis un chaud. J'ai cherché Neige maintenant. Le mec il a 20 PV, il s'en fout. Oula ouais, non mais calme-toi Neige, ça va, on discute. L'out il est revenu, il m'a claqué son ulti. Baltringue, Foxine, t'es une baltringue. J'ai pas d'ulti. Je sais pas ce que tu m'as tapé mais t'es une baltringue. Ah je t'ai juste lancé une flèche. Oh, t'es une baltringue quand même. Tu es là, y'a pas d'ulti. On a que de la puissance physique hein, de l'autre côté. C'est vraiment bon Hades, mais voilà. On a que de la puissance physique, donc vous voyez ce genre de truc sert à rien d'avoir de la protec physique. Peut-être pour le passif, réduire. On s'en fout. Protection magique. Ah c'est intéressant, je vais prendre ça déjà. Mais vous voyez ce genre d'item. Tu restes tout seul hein, ça. Peu les OS. Ou pas. What? Mais qu'est-ce qu'il raconte Alex? Il a encore craqué. Ouais, je sais, je m'en fous. Bon. Alors, les gens qui sont avec moi, pourquoi être vous coller aux gens quand vous avez les charges, ça les envoie aux autres en fait. Bah là c'est surtout qu'il a tapé son ulti en fait. Mais Fox, tu fais non, quoi non. Tu es guide du spawn ou... Oui. Il fait visite à la spawn. Juste envie de faire chier. Il dit oui en plus. Moi j'aime bien, Nejdan il fait pas le malin là. Bah t'as les mecs level 11-12, nous on est level 8 quoi. Oh là là. Ok, tu veux la jouer comme ça? Vous mettez à deux sur moi, alors je regarde qui m'a fait quoi. Ah, il m'a tout claqué. Neige, il m'a tout claqué en mode ferme bien ta gueule. ULLR, il m'a tout claqué. Et Hades, il m'a claqué moitié. En mode Alex, tu te tais maintenant. Eh ben, je me tairai si je veux. Je fais ce que je veux, nom de Dieu. Je suis mauvais, mais je fais du kill quand même. Ça me plaît beaucoup. Bon les gars, je suis de retour dans 10 secondes, hein, vous le voyez là-haut. Et Oro, lui, est de retour... Dans 13. Dans 13 minutes. Oro, il a une pénalité. What? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, les gars? Un quart d'heure de respawn, ça. Un quart d'heure de respawn. Non, t'étais trop fort. T'as tué trop de fois Fox. Il a porté plein d'enjeux et bim. T'es puni. Bon, on les a tués 15 fois, ils nous ont tués 8 fois. Mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner, clairement. Oui, ça veut rien dire.
Il y a Fox qui repart là, un peu ce qu'on appelle la queue entre les jambes, en mode... Bon, c'est un peu la tourelle qui m'a focus. Oui. Ouais, la tourelle, bien sûr, la tourelle. Alex, il lui met deux gros coups, la tourelle. Bon, on est level 13. Enfin, je suis level 13. Nejdan aussi. Mes compatriotes sont 12 et 9 respectivement. Et chez Musa, c'est 9 et 9. Un cochon qui faisait 9. Voilà, vous n'aviez pas eu de blague de Fox depuis un bout de temps. C'est la blague du mois. Putain, Neji commence à piquer. Commence sérieusement. Bah oui, je te dis, il va se staff full vitesse d'attaque. Musa, il commence à avoir full résist, Musa. Moi, je m'en fous, ça me fait des assists, mais dans l'idée. Oh, joli ce qu'il a fait, Fofox. Pour une fois qu'il fait un move qui est pas dégueu. Oh, ça commence, vous voyez que ça commence à s'entretuer à l'intérieur de leur équipe. C'est mauvais signe pour eux, ça c'est pas bon. Quand ton équipe comme ça part en string, c'est qu'il y a clairement un problème. Ouais, Nathan, il va être full stuff, quoi. Ah ouais, j'ai vu qu'il a. Bah 7-2 mais... Oh putain, le salaud, il est déjà quasiment full stuff. Full stuff vitesse. Moi aussi j'ai de la OE, mon gars. Ça fait super mal, t'en as OE de merde là. Ouais, plus ma vague est chargée, bon là ma marée est basse. Mais après plus c'est chargé, plus ça pique. Et la marée basse. Moi les marées basses là, faut que je tape du minion. Oh Fox, je vais t'avoir. Fox, attention. Ah, il est parti avant. Salaud. Et voilà l'arrivée. Musa, t'es solo, fais gaffe. Je suis tout seul en fait là. Dans l'idée, je crois, ouais. Ça nous backdoor. Go, allez. Ah la vache, j'ai juste rien compris de ce qui m'est arrivé. En fait, moi j'ai vraiment du mal quand ça part comme ça. Je suis vraiment en mode, qu'est-ce qui se passe? Maman, papa, pourquoi? S'il vous plaît. Je suis encore mort. Je suis qui est le plus mort. Il a un putain de contrôle avec son glaçon là. Hyper mort, moi, dans notre équipe. Bon, c'est rien comparé à Fox en fait, mais. Tais-toi donc. 11 fois Fox, 1-11-4. Putain, 1-11-4. 1-11-4. Attends, on prend un peu le temps que je régène, enfin le temps que je respawn. Ymir chez nous, qui est joué par Xav, fait du 1-2-11 en mode full assist tant qu'il est là pour bloquer, etc. Nickel. Oro et Zeus et Choco Mamaron, 10-3-6 et moi 7-4-7. Pas mal, une bonne linéarité. Bon, alors Nejan, on n'en parle pas, 8-2-1, il est chaud comme patate chez eux. ULLR Fox 1-11-4 et Musa, bon, qui fait le mariole, mais c'est pas mieux, hein. 0-5-7, cacahuète. Hein. Bah, c'est là, bizarre que je fasse 0 parce que c'est bien. Et là, il va dire, what, parce que Fox. Et Fox, ça fait deux fois qu'il veut s'y rendre. Deux fois, mais tu ne surrendras pas cette game, j'interdis Musa et Nej de te laisser surrendre. Non, mais l'autre, il se TP quoi. Elle se termine, mauvais joueur, va. Nejdan, il a pris le speed camp. Ouais, j'imagine bien. J'ai pris un flash, ça sera plus rigolo. Gaffe, Alex. Oh putain. Putain, mais y'a quelqu'un qui essaie de me taper, c'est qui? Ah, c'est Fox! Bah attends, je me retourne! Salut Fox! Derrière nous! Nejan, il peut pas revenir, hein. Si vous lui faites gaffe, il peut pas revenir. Derrière vous, gaffe, ouais, ça va. Oh la vache! Musa, barre-toi! Qui c'est qui est revenu là? Qui c'est qui me contrôle? Oh putain, Nejdan est là. Ah, y'a Nejdan. Tu crois que tu vas m'avoir, hein? Tu crois que tu vas m'avoir? Pauvre taré, tu m'auras jamais en vie. Allez, le team suit, hein. Où il me suit? Où le vilain? Cours, t'as le phoenix là qui te défend. Putain, mais quelle espèce d'enfoiré ce mec!
En fait, il fout rien, Nejdan. Il prend aucun pari. Bon, en même temps, vu que Fox feed et que Musa fonce dans le tas, mais Nejdan, c'est un voleur. Moi, c'est mon rôle aussi de foncer dans le tas. C'est un voleur, ce mec. Quoi. Non, non, c'est pas ça, c'est que c'est un voleur. Bon, après, c'est le seul perso avec qui il sait jouer. Les autres, c'est une catastrophe, Nejdan. Troll. Moi, j'aime bien le troller. Ah, il commence à maîtriser un petit peu. Bien comme il faut avec, avec la miss là. Bon, là, par contre. Il peut renverser la vapeur, mais il la renverse. GG. Il a tellement de régène et de vitesse d'attaque que. Il fait le café. Musa, j'ai l'impression qu'il passe plus de temps à la fontaine que sur le terrain. Espèce de mytho. Il boit des toi, coups. Toi, tu passes plus de temps mort que sur le terrain. T'en parles pas. Ah, au moins, moi, je prends des risques. Tu prends des risques, c'est qui fonce dans le tas depuis tout à l'heure? C'est pas je prends des risques. Prends des risques. Inconsidérés, mais des risques moi, quand même. Moi, depuis que je joue avec vous. J'ai l'impression que Musa et Fox, c'est un vieux couple soixantenaire. avec moi qui rage par-dessus quand je me fais tuer que ça me va pas, tu vois. Ah, c'est n'importe quoi. Surtout dans un MOBA, mais moi je suis... Mais qu'est-ce que je suis mauvais perdant dans un MOBA, c'est affreux, quoi. C'est vrai. Faudrait les mettre l'un en face de l'autre. Juste les charges, quoi. Non seulement on se tape l'ulti qui nous met masse de dégâts, mais en plus avec les charges, il peut enchaîner derrière pour nous en remettre encore plus. Ouais, pour rien ces charges. Ouais, les charges font pas grand chose sur toi, ta masse résiste. Non, elles m'ont juste retiré les. Ah non, sur Fox, oui, sur Fox. Sans Musa. Oh, allez-y, engueulez-vous, ça fait trop d'audience, je vais encore avoir une Ferrari, moi aussi. Et protection magique, t'es full protection aussi, Musa, quoi, tu fais pas de dommages, quoi. Ouais, par contre, ouais, tu fais pas de dommages. Allez! T'es solo. Ouais, Musa aime bien la solitude. Le mur. Le mur de la hante. Collez-vous contre d'ailleurs, le mur. Faites gaffe. Collez-vous contre le mur. Y'a Oro qui a disparu. Mais non, je suis. Musa, t'es solo. Hein. Ce mur était ma cachette. C'est fou comme un MOBA en con en fait. Soyons francs. Quand tu joues à un MOBA en fait, tout le monde est de mauvaise foi en fait. Tu te rends compte, y'a que Oro. Ah si, quand même, de temps en temps en fait. C'est sûr. De temps en temps, il nous pète une durite. Moi, c'est régulier. Hein. Quand ça fait pas ce que je veux, c'est régulier que je pète des durites tout seul en mode ouais, ça m'énerve. C'est pas normal. Oh, il était pas dans le Kraken. J'ai foiré si, mon... je l'ai pris, hein, mais... T'as il a beaucoup de résist, en fait. Il a énormément de résist. Il est full résist physique. Ça va, c'est bon. Attention, Nejdan, il m'a tout claqué. Tiens, moi aussi, je l'ai claqué tout. Oh. On peut le finir. Alors, regardez ce mec. Regardez tout ce qu'il m'a claqué. Juste que les viewers voient à quel point c'est de l'acharnement, en fait, Nejdan. Nejdan, c'est de l'acharnement sur une personne en particulier. Et en mode pas de couilles, il vient pas au combat. Il reste loin, il fait l'ADC quoi, l'ADC type parfait. No team fight, no. Il vient pas aider Fox et Musa. Oui, je m'en fous, je suis de mauvaise foi si je veux, Nejdan. Tu dis rien comme ça, t'oses pas, mais moi je te le dis, je suis de mauvaise foi. Non, mais j'ai un grand sourire. Je suis de mauvaise foi totalement quand je fais pas ce que je veux. Non, il joue très bien, Nejdan. C'est peut-être celui qui a le. Dans l'équipe le, avec Xav le meilleur niveau. Xav, son tank, moi il fait rêver, faut pas mentir. Moi j'arrive pas à jouer tank en fait. Je suis pas un grand fan de tank, il le place très bien. Très très bien. Il y a des fois il merde. Moi je kiffe jouer avec lui. Contre lui non, avec lui oui. Ah bah quand on joue bah, en fait avec il tank lui, mais il a masse contrôle sur. Bah quand on par joue. Par contre Musa il prend pas de dégâts. Ça va double backdoor. Non tu m'as enlevé 2 PV là. Non je faisais mes petites. T'es solo Musa. Mes petites emplettes. Ouais mais il prend pas. Musa il prend pas de dommages. Musa il est en mode. Peut être solo. Faites du slip quoi, ça sert à rien d'aller jouer avec lui quoi. Enfin, si au pire tu passes devant lui, mais. Y a pas d'intérêt de. D'aller lui taper sur la tête en mode. Eh copain! Par contre, Fox oui, Fox oui, ah ouais, full sur Fox! Allez! Non, 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 ça fait masse mal! Ça fait masse mal ça! Mais Ashdan il vient pas de mourir, genre je l'ai pas eu. Mais, pff, il est incroyable. Oui, vas-y, tue-le!
tue-le. Rien à foutre, je ramène le Kraken. Même si j'ai pas eu personne, je m'en fous. Oh, il fait mal ce truc. Ah oui, le phénix, oui, il rigole pas. Olé. Barrez-vous tout seul, hein. Oh là 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 là. Putain, il fait trop mal. Oro vient de se faire ouvrir. Ah, je suis tout seul, merde. Leur phénix, il est tombé, hein. Oui, mais je suis tout seul. Oui, t'es quand même tout seul. Barrez-vous. Rentrez chez vous. Venez, on redevient copain. Neshdan, copain. C'est des contrôles, tu lances bien, tu lances bien. Oui, mais la tour tombe assez vite, que dire. Ouais. C'est que le Neshdan il commence à faire le café là, tu vois, il a vraiment masse. Non seulement il a du contrôle, un petit peu, mais il a surtout beaucoup, beaucoup de résist. Et surtout, il reprend. Et Xav, j'ai même pas envie de voir sa barre de vie quoi. T'as combien de PV, Xav? 3800. Et t'es à combien toi, Musa? 2009. Tiens, objectif premier, le Kraken, le Kraken. Ah, le Musa, lui, il a l'objectif de me péter leur soin. Mais tuez-le, ce gars, tuez-le, il y en a marre. Tuez Musaren. 3 secondes. Tiens, il y en a marre. Il y en a marre. Bon, c'est pas tout ça les viewers, mais à un moment donné, faut qu'on marque l'essai là. Le problème, c'est que le Neshdan, en montant au level, il nous donne vraiment du fil à retordre à lui tout seul. Mais déjà 30 minutes de vidéo. Hein. Tu sais qu'il est plus haut level que nous en fait. Ah oui, non, mais en même temps, il fait le café. Donc, alors, tac, on va monter ça. Tac, on va monter ça. Hop. On va prendre ça. Voilà, et on est reparti. J'ai ma stun, mais normalement, mon build est complet. Mon build devrait être bon. Ouais, je peux monter encore en magie en fait, mais ça m'enlève de... C'est bien, j'ai mis de la résist, vas-y attaque-moi. Putain, qu'il fait mal. Moi j'ai mis de la résist physique, comme j'ai ma stun. Au pire, si ça suffit pas, j'en remettrai. Moi j'en ai mis un peu, mais je veux continuer à faire un peu de dommage quand même, dans l'idée. Putain, mais en plus j'arrive pas à lui stacker mes trucs, quoi. Oh mais merde, Musa, barre-toi. Et pourquoi c'est moi que tu veux focus, pauvre taré? T'as pas honte, Musa? Non. Oh bah non, c'est vraiment du focus personnel là, hein. Laisse mon pote tranquille. Non, Phoenix ça repop, hein. Donc gaffe la prochaine fois que vous y allez. Et maintenant je reviens avec mon pote le tank, on va voir le tank il a une bulle carrément. Pour te dire à quel point il doit rien prendre. Là il prend rien le tank. Kraken! Non? Ça y est, il avait tué. Oh la vache, mais Musa, mais on le tue pas! Cet homme n'est pas tuable! Il n'est pas fait de chair et d'eau comme nous! Il est fait de mammouth et de gibier, de potence. Oh Fox, salut Fox. Yo suis là pour faire l'amour. L'amour. Il était frais l'amour. Il était frais l'amour. Tu vas mourir. Merde, il est suicidé par le phénix. Eh, hey, y'a plus de phénix. Et Fox il a pu retourner chez lui. Musa aussi. Musa, tu glaces. Neshdan apparaît dans 20 secondes, 10 secondes, pardon. Moi je vais back, les gars, personnellement. Je vais me cacher, parce que j'en ai marre. Voilà, bacon. Bacon, c'est ce qu'on met dans les sandwichs. Bacon. Exactement. et qu'est-ce que je fais? Ouais, je décide d'être un fou. Je vire ça. Voilà, je vais faire le dingue.
Je vais faire le dingue, les gars, parce que vous aurez jamais vu un mec faire ça. Ok, je prends ça. Mais t'es complètement con, Click. C'était très bien ton build, ou c'était de la merde, mais ça c'est pire. Ouais, bah je m'en fous. On y va. C'est parti, mon Kiki. Dun, 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 dun. La pression est à son comble. Oh là, Xav est pas bien, Xav est pas bien. Je suis tellement mort. Ils peuvent finir là. Donc gaffe. Oh Alex. Putain! Salut les gars, ça va? Ah bah ils vont finir. Ouais, ouais, parce que j'ai. Je suis passé Musa par. Musa va tanker, Musa tank, je l'ai défoncé. En pensant que ça passait. Je leur... Vas-y, tank, tank, tank! Non, non, mais la tour elle me tue, elle me défonce. Mais non, elle tue pas, t'es fou. Elle va te défoncer la tour, on y va pas. Non, ah non, vas-y, go alors. Putain, mais écoutez un peu. Il prend pas de dommages, regarde sa vie. Il prend pas de dommages, j'ai Nejdan en fait. Il a trichote. Par contre, hey, t'avais vu ta kékette un trichote, peu trop grosse ouais. Par rapport à ce que c'est. Hein. Je suis plus dessus, hein, je suis plus dessus. Hein. Vous voyez comme quoi les apparences ne sont pas. Ils vont sûrement gagner cette partie. Peut-être. Peut-être pas, on est. Là, on est. Pareil. On est égalité. Bah, nous, on est mort, mais voilà, on a plus de Phoenix. Ils en ont plus non plus. Sauf que le leur. Non, pas encore, va réapparaître. Peut-être que leur Naïf, personnage complètement scandaleux. Qui c'est qui enfin, fait du point de clignotage sur la carte là? Il faut attendre un peu, hein. Il faut attendre. Ah, fais l'autre zone de dommage. Ah bah il soit à la zone de dommage, je vais aller en pute. Hein. Moi je repop dans pas longtemps. Il va aller sur Fox. Et mon Squishy. Ouais, je suis sur Fox. Il est pas ah, bah, si oui. Squishy que ça. Ouais, non, mais là ils sont deux donc. Mais il a sa bubule je... encore. Tu vois, go, moi aussi j'ai flash. Hein. Mais j'ai plus de mana en même temps donc. Dégage, dégage. Coucou. T'as cru que j'allais prendre un engage seul? Je suis pas totalement con, mon gars. Un peu, quand même. Mais là, par contre, si oh. What's up? C'est bon, ça a débarrassé du pire, maintenant on est tranquille. Eh, hey, mais je suis tout seul, en fait, là. Et si on laissait Musa qu'on allait défoncer le truc en face? Eh mais je suis un peu tout seul là en fait. Ouais bah tu t'en sors bien pour un mec on seul. On a 40 là. Secondes hein. Là il faut finir sinon tu le Phoenix et go. Et Fox tu fais quoi là machin là? Il est à ah, j'ai le droit d'acheter aussi parce que Musa lui peut passer 5 minutes mais moi je passe 30 secondes, je me fais flame quoi. Passe 5 minutes, je suis resté une ah, on fois sent, on sent que l'entente n'est plus entre eux fois. Ça va nous permettre de gagner. Peut-être, peut-être si l'entente n'y est plus. Allez on y va, on y va. Allez on finit là. Ouais bah attendez ouais, les sbires. Allez, yeah, oh. Yeah. Et bien voilà les amis viewers, c'était quand même à deux poils de cul. Et ouais, ils se sont fait PL, regarde les scores. D'une partie sur l'autre, d'une partie sur l'autre, voilà les scores. D'une partie sur l'autre, ça peut assez fluctuer. Une partie sur l'autre, c'est des fois ça change. Hein. Des fois, un coup, c'est Musa, moi et Oro qui feront de la merde. Oro et moi, pardon. Un coup, c'est Nejdan, ça lui arrive aussi. Xav aussi. Enfin bref, ça dépend vraiment des parties. Ça dépend de beaucoup de choses, comme vous le voyez. C'est une partie privée, donc nous ne gagnons rien. Pas de faveur, pas de discipline, pas de disciple, pas d'expérience. Dégage, joueur. 44 000. Musa 15 000, Fox il a fait moins que Musa. Attends, où est-ce qu'on voit les dégâts joueurs? Ah bah voilà, alors les statistiques, la page d'après. Les Starclick victoire. Starclick vaincu, c'est une Starclick victoire, Starclick vaincu. Les niveaux, ah j'étais le seul level 20 dans notre équipe. Merde alors, j'ai fait ouais. Le café quand même. C'est les assists. Bon le café vite les... fait quand même, par rapport à Nedjan. C'était un petit expresso que j'ai fait, ouais t'as l'or, t'as... Ah dégâts absorbés. L'or minute, ouais c'est pas mal. D'accord, dégâts joueurs, 37 000. Ah oui, j'étais chaud lapin. Oro, par contre, 47 000 avec les charges, tu l'auras tellement piqué les fesses. Ah, regarde les dégâts absorbés que j'ai eu. 90 000 dégâts absorbés. Dégâts absorbés. Il a pris tellement dans la tronche, tout le monde focus Musa tout. Et justement, les commentaires vous diraient, mais non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Mais on sait très bien, mais on fait semblant de pas savoir jouer, c'est beaucoup plus rigolo. J'espère que cette vidéo spéciale Smite vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, cette fois-ci, de Starclick épisode 50, qui sera l'épisode final, mais aussi du début des bonus et bientôt, très bientôt, le nouveau concept, que dis-je, la nouvelle série avec la Team Starclick. Les amis, bisous bisous, pouce bleu comme d'habitude, super commentaire, fais tourner à ta famille, fais tourner à ta famille, un petit bisou les gars, mon cher ami Xav. Salut tout le monde et bisous beaucoup. Bisous beaucoup, tu es belge toi, ça se sent. Ouais. Non, j'ai rien contre les Belges, je dis tout de suite, je veux pas de problèmes en commentaire, j'adore les Belges, j'ai adoré être à la Medinazia, j'ai jamais été aussi bien accueilli. Monsieur Oro, bisous bisous. Salut salut.
Bisous, bisous, salut, salut. Salut, salut. On sent l'entrain. Au début, je fais salut. On sent salut, toi la joie de vivre, mon gars. Salut. Bonjour. Monsieur Nejdan, au revoir. Changez-moi d'équipe. Monsieur Muzaren, au revoir. Et ciao. Hey, Fox. Fox, ouais. Il est pas. Fox, au revoir. Ouais, c'est ça, cordialement. Raconte-moi des mots d'amour. Allez, cette fois-ci je coupe. Au revoir, monsieur dame. Jeune dame et jeune monsieur. Peut-être vieux monsieur, dame, on sait pas. Et peut-être les deux en même temps. Et peut-être t'as un vieux qu'une jeune. Ça, on sait pas. Peut-être que t'as une cougar qui justement dit chérie, qu'est-ce que tu fais? Et chérie, du haut de ses 14 ans, qui fait je regarde Starclick. Voilà, ça, on sait pas. Tu vois, je... Bah, si c'est une cougar nantaise, je prends mon bureau. Oui, 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 ok. Allez, au revoir, hein. Cette fois-ci, on arrête en coupe, c'est fini. Les gens, ils en ont marre des outros de 8 minutes, là. Allez, bisous. Quoique, parce qu'en fait, il y a un moment de... Non, mais... C'est juste... vrai, dans les coms, ils aiment bien. Juste... Ah, ouais, ouais, ouais. Bon, bref. Bon, quand on n'a rien à dire, bon, ferme bien sa gueule. Allez, au revoir. Enfin, en même temps, le mec, il en peut plus, il veut ferme pas lâcher. Ferme ta gueule. Mais je trouve plus le bouton pour enlever l'enregistrement. Bon, ah, c'est celui-là.